Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir cette semaine en Occitanie. Nous sommes dans le Tarn, aux portes d'Albi, et plus particulièrement à l'Escure d'Albigeois. Ce village de caractère recèle bien des surprises et plein de secrets du beau patrimoine. Eh bien, c'est ce que je vous propose de revisiter avec moi aujourd'hui. Alors, on y va? Oui, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Et aussi, moi, évidemment. Merci de nous faire visiter votre village, car vous êtes l'Escurien. Et il n'en reste plus beaucoup. Ah, donc j'ai la chance de vous voir. 89. 89, vous ne les faites pas. Donc, peut-être, je m'entretiens pour ne pas les faire. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Je prendrai votre recette pour plus tard. Là, nous sommes dans une des ruelles de l'Escure, oui. Du vieux village. En fait, c'était la rue principale. D'accord. Non. Et alors maintenant, elle est baptisée, je ne sais même plus. La rue Saint-Pierre. Saint-Pierre, oui. Oui. La rue Saint-Pierre, ça va vers l'église Saint-Pierre. Voilà, que nous irons voir tout à l'heure. On va y passer tout à l'heure. Et là, en fait, c'était quoi? C'était un château fort? C'était la porte de la ville? Mais c'était la porte d'entrée, puis les fortifications passaient à partir de là et des deux côtés. D'accord, donc tous les Escures étaient fortifiés? Tous les Escures. D'accord, donc il y avait un fossé peut-être alors, devant? Alors d'une part, par les douves. Oui. Hein, ici, toutes les places de l'Escure, ce sont... Les anciennes douves. Les douves. D'accord. C'est assez profonde à l'époque. Hein, il y avait un petit pont pour traverser la douve. Là, hein, d'accord. Ce que je voulais vous dire, il me semblait avoir vu une arche de pont là, à l'angle. Oui, mais c'est ça, ça a disparu. D'accord. On voit les traces encore. C'était une des entrées. C'était l'entrée par où on rentrait le plus souvent. D'accord. La porte principale. C'est la principale. D'accord. Et on allait vers les barils alors. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait des rues qui s'appelaient barils. Donc c'était vers les quartiers de la ville. Attends, le coup d'œil de la tour, évidemment, il est meilleur de l'autre côté. Bon, on l'a vu en arrivant, ouais. Je l'avais vu en arrivant. Mais c'est vrai qu'elle est superbe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle date de quand, à peu près, la tour? Hein? Elle date de quand, à peu près, la tour? Là, je ne vous le dirai pas, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Cette tour défensive, appelée aujourd'hui Tour de l'Horloge, a très certainement été construite avec tout le système des fortifications de la ville au cours du XIVe siècle. C'est alors l'une des entrées principales de la cité. La tour est entièrement reconstruite en 1563, à l'époque des guerres de religion. 50 ans plus tard, en 1614, elle est de nouveau restaurée pour prévenir de nouvelles attaques des Huguenots. Vous êtes d'accord pour me faire visiter votre village? Bien sûr. Eh bien, on y va. Je suis là pour. Hein. Ah ben c'est gentil, on y va. Allez. Vous m'avez dit que le nom des rues avait changé. Donc, oui. Là, par exemple, c'est la rue de la Gasquier. De la Gasquier, ancienne rue. Des Peyrerottes. Alors les pelles... Quand on dit chiffonnier... Oui, parce que les pelles, c'était une... Voilà, ils rachetaient toutes les vieilles choses, ils restauraient souvent et ils revendaient. D'accord. Ils faisaient aussi peut-être du papier, je sais qu'avec des pelles, avec les vêtements, enfin, on faisait du papier tout, dans les moulins. Ils récupéraient tout ce qui était récupérable et revendable.
C'était un peu les brocanteurs de maintenant. D'accord, mais ça a duré longtemps, ça me semble avoir connu. Ça a duré longtemps, oui. D'accord, d'accord. Donc il doit y avoir plein de rues qui ont changé de nom. Et toutes. Il y avait même des rues, il y avait un nom que l'on avait. On l'avait baptisé comme ça, mais il n'y avait pas de panneau. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc effectivement, c'est bien comme dans tous les villages alors. Voilà. J'adore l'origine des noms, en fait. C'est important. Oui, on avait les métiers, on avait. Le Speljaros. Le Speljaros. Un patois. Voilà, Viva Placomaco. On continue? Eh bien oui, on va vous en parler. On vous suit, je vous suis, vous voulez. Alors, on va faire la rue des Pellerots, là. Alors, on va faire la rue des Pellerots. Alors, tout ça, maison Colomba. Là, vous nous avez arrêté devant une grande et belle maison. Qui est la maison de mes arrière-grands-parents, les Payous, première épicerie du village. Donc là, l'épicerie était là. Voilà. Et elle faisait que l'épicerie. Alors, il manque que la devanture qui a été démolie, évidemment, au moment où ils ont fermé l'épicerie. Et à ce moment-là, elle était devenue, parce que c'est ma tante qui avait gardé la suite, pas mon père, et c'est devenu épicerie Granier après. D'accord. Voilà. Et vos grands-parents vendaient quoi dans l'épicerie? Qu'est-ce qu'on vendait à l'époque? Alors, ils vendaient de tout, l'épicerie classique, mais la quincaillerie et tout et tout. D'accord. Un peu de tout. Un peu de tout. C'est un bazar, un petit bazar. Voilà. D'accord. Et vous l'avez connu ça, non? Et oui, j'ai connu. J'ai même donner un coup de main à ma tante pour servir au magasin. Ah, vous rendez compte? C'était chouette. Mais j'étais jeune. Là. C'était chouette. Ouais. D'accord. Mais c'est un beau souvenir d'ailleurs. La maison est magnifique. Ah oui. Elle a été bien restaurée quand même. Hein. Et votre famille. Quand ils ont démoli la devanture, quand même, ça a posé un problème. Il a fallu remettre les fenêtres qui avaient été démolies en bas et tout et tout. Hein. D'accord. Et votre famille faisait quoi? Ils étaient donc épiciers? Mes arrière-grands-parents, ils étaient épiciers depuis toujours. Hein. D'accord. Voilà. Et puis alors, c'est ma tante, c'est pas mon père qui a pris la suite. Et c'est pour ça que c'est devenu, à la suite, épicerie Granier. D'accord. Et vos parents ont changé de métier? Voilà. Votre père a changé de métier? Voilà. D'accord. Il est natif aussi d'ici, mon père. D'accord. Sur combien de générations vous êtes d'ici, alors? Oh, eh bien, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents... Plusieurs générations. Ça fait 3 ou 4 générations. Déjà, c'est chouette. Hein. Ouais. Bon, merci beaucoup. Alors, dans la deuxième salle... entrée du château de Lescure. Oui. Ancienne tour, un petit peu récrépie, qui ne ressemble plus à rien. Elle a été modifiée en maison d'habitation. Et qui a été modifié en habitation par les mines d'Albi. D'accord. Comme la vermicellerie qui se trouvait là, à côté du château. D'accord. C'est l'emplacement du château, tout ça. Il n'y a plus grand-chose, effectivement. Par contre, je sais que la tour Louise, il y a un projet municipal qui va restaurer la tour, qui va enlever les toits et qui va la retransformer en tour. Démolir le bâtiment qui est devant, ainsi de suite, la toiture, il y avait des créneaux. Donc on va retrouver la tour comme elle était à l'origine. Et donc là, il y avait le château, c'est ça? Le château des seigneurs? Oui, tout ça, c'était le château. Et l'entrée de la chapelle, de ce côté, donnait dans le château. D'accord. Les gens du château allaient à l'église directement? À l'église, comme ça, sans sortir. D'accord. Et ça se voit nettement quand on est dans l'église. Ça. D'accord. Et le château a été détruit pendant les guerres de religion, peut-être Oui, je vous dirai ça. D'accord. J'ai des dates. D'accord, merci.
Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir ici. Monsieur, on est très heureux. C'est gentil. Dans quelle église sommes-nous exactement? Dans l'église Saint-Pierre. D'accord. Et son histoire en résumé, c'est quoi? Eh bien, elle date de la partie la plus ancienne du XIIIe siècle. C'était la chapelle du château appartenant au pape Sylvestre II. Ah oui? Oui. Malheureusement, en 1585, le château fut incendié, le château. Et donc, il ne restera que des ruines. Sa reconstruction aura lieu en 1590. D'accord. Hein, voilà. Et à la suite de la mort de son épouse, le seigneur de Lescure reçoit de nombreuses marques de sympathie, de dévouement de la part de la population. Pour lui témoigner sa reconnaissance, il fait don à Lescure de la chapelle du château, qui devint l'église paroissiale dédiée à Saint-Pierre, tout en se réservant à titre particulier la chapelle de la Vierge. C'était en 1600. D'accord. Bon, alors il faut savoir aussi que la femme du Seigneur est enterrée ici. D'accord. Le tombeau est là. Son épouse est là. Oui, d'accord, il repose est là. Ici. Voilà. Bon, alors après... Et lui, non. A priori, on ne sait pas s'il repose là ou pas, on ne sait pas. On n'en sait rien. Il faut dire qu'il y a plein de tombes qui sont ici. D'accord. Énorme. D'accord, je ne vais pas vous dire, il n'y a plus de sang. Ah oui, effectivement. Oui, il y en a plein, là. C'est fou. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ah oui. C'est ce qu'on m'a dit. La fresque de Nicolas Gréchny, 1957. Alors, elle est ici. Et il y en a une au baptistère aussi. Il y en a ici où il y a des personnes qui sont de Lescure. Et qui vivent encore à Lescure. Ils sont vivants encore? Oui, il y en a. Ah, c'est chouette ça. Comme ici, il y a un prêtre qui est toujours vivant. D'accord. Je n'ai pas retenu son nom. Mais c'est vrai que Nicolas Gréchny avait pour habitude de prendre les habitants et les enfants du village pour les représenter. Et là, il y en a un prêtre qui est toujours en vie. D'accord. Qui habite pas loin de quand on va vers l'autre église. Hein. D'accord, vers Saint-Pierre. Voilà. Saint-Michel. Saint-Michel. C'est ici Saint-Pierre, je mélange tout. C'est pas grave. Et dans le cœur, alors la fresque de Nicolas Gréchny, qui représente toute la divine liturgie, il y a tout. Hein. En haut, c'est la main de Dieu avec la colombe. Et après, il y a les apôtres, Saint-Pierre, la Vierge, Jésus. Et puis, Jean-Baptiste, je vois effectivement. Voilà, Saint-Jean-Baptiste, et là aussi, Saint-Pierre, tout ça, il y en a pas mal. Hein? C'est super. En tout cas, merci beaucoup. On a fait une brève présentation, mais ça suffit. L'idée, c'est que les gens viennent voir et viennent découvrir en fait cette belle église qui est bien entretenue et qui est vraiment superbe. On essaie de l'entretenir. C'est très bien. Moi, j'aime les choses propres. Je suis responsable et je ne peux pas admettre que ce soit ça. En tout cas, c'est très propre. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre accueil et merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Merci à vous. Voilà, nous, on continue. Je pense que nous sommes attendus maintenant vers l'église Saint-Michel. Saint-Michel. Que je ne connais pas en plus. Donc, je l'ai vu, mais j'étais tout petit. Je ne vais pas le dire. Ah oui, mais elle est belle aussi. D'accord. Hein. En tout cas, on y va. Merci avant, beaucoup. Avant, c'est là qu'on faisait les célébrations. D'accord, mais qui était désacralisée alors. Oui, les gens allaient là et ça a été terminé. Moi, j'y suis jamais allée, mais ça a été terminé presque quand je suis arrivée. Hein. D'accord. Bon, je vais aller voir ça tout de suite. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et voilà. Et à bientôt. Vous avez vu. À bientôt. Au plaisir.
Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Eh bien, vous êtes le bienvenu à l'église Saint-Michel. Saint-Michel, que je me trompe pas. Oui. J'arrive à l'église Saint-Pierre, donc du coup... Oui, il y a trois églises sur l'escu. Ah oui, et la troisième, c'est ? L'Adrèche. Ah ben oui, le sanctuaire de l'Adrèche. Oui, oui. Qu'on n'a pas encore visité, mais pareil, oui, c'est une église que je vous promets de vous faire visiter très prochainement. Ça, c'est une belle église... Ah, c'est l'un des plus beaux joyaux romans du département. Ah oui. C'est... Oui. Donc on connaît déjà l'église d'Ambialé, on a vu l'église de la Splanque, mais oui, c'est autre chose. Celle-ci. Là, c'est une église, nous avons vu des chapelles. Oui. Et alors, on a des idées de quand elle date, à qui elle était. Oui, elle a été construite, le chantier a débuté à la moitié du XIe siècle, et s'est terminé en 1158. 53, 58, d'accord, quelque chose comme ça. D'accord, dans le 12e, fin 12e. Voilà. Elle est splendide, avec tous ses chapiteaux, voilà, avec son décor. Mmh. Et alors, donc elle est désacralisée aujourd'hui, c'est ça ? Oui, elle est désacralisée, là, oui. Et c'était l'église du village ou c'était de l'Escure ou pas ? Au départ, non, parce que c'était l'église du village et c'était celle du château, d'accord, que vous venez de voir, à Saint-Pierre. Oui. Et celle-ci était construite par les moines de l'abbaye de Gaillac, de Saint-Michel de Gaillac. D'accord. Voilà. Ah oui. Et comme ils avaient hérité, enfin on leur avait donné ce terrain, ils ont eu l'idée de venir faire un prieuré monastique ici à l'Escure. Voilà, ils étaient à 200 mètres du village. Quoi. Oui, oui, effectivement, à l'extérieur du village. Et il y avait donc l'église ici, et par cette porte, ils avaient accès au prieuré. Qui était juste à côté. Qui était juste à côté, un lieu de vie pour les moines. Voilà. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, avec de l'autre côté, il y avait sûrement un cloître, les bâtiments conventuels. Oui, au moins une cour. Ils étaient 11, hein, les moines. Oh, quand même. Oui, c'est pas mal. Il y en avait 11, donc. D'accord. Et donc, voilà. tout le décor de cette époque-là, en fait, à peu près. Oui, oui. Donc, oui, les beaux chapiteaux. Oui, oui. Oui. L'église a commencé à être construite ici, et en allant vers l'ouest. Mm-hmm. Voilà, et toujours d'est en ouest, effectivement. Oui, et la construction s'est terminée par le portail. D'accord. Alors, je vois des chapiteaux historiés. On sait ce qu'ils représentent un peu ou pas du tout ? Ah oui, la plupart, oui. Moi, je ne connais pas tout. Mais... Oui. Mais ce que vous connaissez, par exemple, qu'est-ce que... Ben, vous avez là le sacrifice d'Abraham. D'accord, qui veut sacrifier son fils, voilà. Isaac, voilà, voilà, effectivement. Donc, c'est magnifique. Hein. Selon la légende, Dieu lui aurait demandé de prouver, d'attester de sa croyance, mm-hmm, et lui avait demandé de sacrifier son fils à Dieu. Voilà. Et au dernier moment, L'ange est arrivé, ouais, avec sa grosse main, il a retenu le sabre. Voilà. C'était la thèse de sa foi, en fait. Zorro est arrivé. Zorro est arrivé. C'est magnifique, franchement. Et donc, là, je vois des armoiries. Ces armoiries du Seigneur de l'Escure ou de l'Escure ? En rouge et blanc, voyez. En rouge et blanc, je ne sais pas, moi. Peut-être quelqu'un saurait vous le dire, mais d'accord, je ne sais pas. Et le décor peint, c'est plus tardif. C'est plus 16e siècle, non ? Il a été découvert au 19e siècle, mais il a été en partie restauré, en 1994. D'accord. Autrefois, c'était blanchi, tout ça. Ah oui, oui, oui. Donc, ça a été très, très bien fait. Oui. Ce qui est remarquable ici aussi, on va le voir tout à l'heure, mais juste avant, je suis brouillon, excusez-moi, mais il y a tellement de belles choses à voir que je ne sais plus où donner des yeux. Elle est splendide, cette église. Je vois des pierres tombales. Oui. Donc, il y a des gens enterrés ici. Il y a des gens enterrés ici, oui. Oui, oui. Il y en a beaucoup ? Il y en aurait 35. 35, fiche. Oui, mais chacun n'a pas sa pierre tombale. Ah oui, oui, en plus, oui, effectivement, parce que je n'en vois pas 35. Oui. Mais c'est beaucoup, effectivement. Il y a d'autres là, il y a la... On peut être des abbés, des personnages illustres. Oui, oui, là, c'est une dame, je ne sais plus qui c'était. Là, il y a une secrétaire de mairie. Non, d'accord. Et après, par contre, ce qui est remarquable ici, bon, en plus des chapiteaux, c'est le portail. Ah, le portail, oui. On peut aller le voir ? Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'il est grandiose, je trouve. Il y a le portail et puis il y a toutes les sculptures autour du chevet. Ah, ça, je ne connais pas du tout. On va aller les voir aussi ? Oui, si vous voulez. Eh bien, on y va. Allez. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ah oui, c'est le plus beau dans le coin, là, dans le Tarn. Ah, il est splendide, ouais. Il est vraiment très très beau. Ouais. On sait ce qui est représenté un peu là. Alors, aussi. Tout en bas, bon, vous avez cette avancée en auvent, là. Oui. Voilà.
et 12 modillons avec des têtes humaines et des têtes d'animaux. D'accord, oui, je vois effectivement. On fait de haut en bas. Hein. D'accord. Voilà. De chaque côté du portail, vous avez deux fois le crisp. Ah oui, qui témoigne de la fidélité de la région. Au pape Oui, au pape. Et à la chrétienté et catholique. À la chrétienté, oui. Voilà. À la catholique romaine. Oui, oui. D'accord. Ah, oui, parce qu'à l'époque, effectivement, au XIe siècle, on commençait déjà à parler en fait albigeois. Exactement. Albigeois. D'accord. Et ensuite, trois voussures, là. Oui. Trois voussures avec une déco, que je ne sais pas expliquer. Typique de. Un genre de nid d'abeille, oui, qui est très très belle. Ensuite, des boules, c'est pour la pétanque. Oui. Ou boules de cocagne plus tard. Oui. Et puis voilà, des corps floraux en faisant un descendant et des têtes de chat pour finir. Ah, des têtes de chat, c'est marrant. Oui, le chat n'était pas le bienvenu dans les églises. Et pourquoi là, si je ne sais pas, c'était comme ça. D'accord. Ouais. D'accord. Et après, tout en dessous, donc on voit des chapiteaux sculptés. C'est les chapiteaux, oui. Alors, le premier, là, paraît-il, serait un supplice en enfer. D'accord. Ensuite, il y a Adam et Ève, je vois. Oui, Adam et Ève. Effectivement, je vois à nouveau Abraham. Le sacrifice d'Abraham, de nouveau. Voilà. Là, je ne sais les pas pélicans, en fait, oui. Le signe en fait, du sacrifice du Christ. Et le dernier, là, c'est la punition de la femme luxurieuse. D'accord. Ah, la femme luxurieuse. Hein? Ah oui, on finit les femmes et pas les hommes. Entre les chats et les femmes. C'est quoi cette église? C'est superbe. Franchement, c'est vraiment magnifique. Hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Juste avant qu'on parte, petite face ici, on peut sonner un coup les cloches. Allez, pour vous faire plaisir. Ah oui. On va le faire juste un coup, sinon on va avoir le village qui va être ameuté. Je vais sonner l'autre, d'accord, si je peux, pour voir. C'est toujours rêvé. C'est pas une cloche. Ça. C'est pas une cloche. Si, ça va être pour la bloquer. Ah si. C'est une cloche. Si, si. Non mais entre cloches, je savais qu'il y en avait une là. J'ai toujours rêvé de le faire. Non. Là c'est bon. Ah, c'est plus aigu. C'est plus aigu, merci beaucoup. Pendant quel film on voit un moine qui sort, oui, qui sort et qui monte avec. Bienvenue. Merci de m'accueillir ici. Donc je suis à la grange de Cérayol. C'est ça. J'ai bien prononcé ? C'est ça. Parfait. Alors qui est qui ? Alors. Qui es-tu ? Ernest. Et tu es le fils de ? Maman. De maman, oui. Et ta maman, c'est qui ? Elle est où ? Elle est là. Maman, Marion et papa. Et papa Auguste. Et Marion et papa Auguste. Auguste, voilà, qui font quoi, qui sont qui? Qui sont maraîchers, donc sur l'Escure, à la grange du Cérayol. D'accord. Une terre maraîchère, c'est ça? Qui est une terre maraîchère, voilà. D'accord. Et on est avec Pascal et on héberge l'association Terre Citoyenne Albigeoise. Donc moi je ne suis pas du tout maraîcher, mais je fais partie de l'association Terre Citoyenne, et donc qui est hébergée à la Grange du Céréal, chez Marion et Auguste. D'accord, et l'association Terre Citoyenne, alors, c'est quoi? Terre Citoyenne, c'est une association qui a été créée à Albi au départ et qui est venue s'installer ici à l'Escure. C'est pas loin. Et l'objet de l'association, c'est de contribuer à nourrir la ville de demain, et donc à faire du lien entre la ville et les fermes, et les paysans. Donc, du coup, on a trouvé que ça avait du sens que l'association soit hébergée dans une ferme ici à l'Escure. Logiquement, en quelques mots, pardon, je n'ai plus parlé, excusez-moi. Faire des liens, c'est quoi? Ça peut être quoi? Alors, ça peut être pour les citadins qui n'ont jamais mis les mains dans la terre, de venir faire des chantiers participatifs dans les fermes ou dans des jardins. Mmh. Ça peut être, donc, du coup, aider des paysans à s'installer. Et plus récemment, donc là il y a un peu plus d'un an, on a créé une coopérative, une société coopérative qui va collecter de l'épargne citoyenne pour acheter des terres et permettre, en les louant à des paysans, de faciliter l'installation. C'est chouette ça comme idée. Voilà, donc tout le monde peut prendre des parts. D'accord. Des personnes physiques, des personnes morales, des collectivités. Il y a un site internet ? Il y a un site internet
D'accord. terrecitoyenne.org. Oui, il s'affiche. C'est magique. C'est magique. Donc en fait, en gros, vous remettez en le patrimoine agricole de Lescure, parce que Lescure est une ville agricole et de maraîchers, c'est ça, nous sommes d'accord? Tout à fait, oui. Et c'est vrai qu'autrefois, il y avait beaucoup de maraîchers. Aujourd'hui, on est 5. Et voilà, l'idée, c'est de participer à faire vivre le territoire au niveau agricole. Et dynamiser aussi avec des jeunes générations d'agriculteurs. Il y avait combien de maraîchers à peu près? Est-ce qu'on a une idée sur la terre ou ici à peu près Alors il y a 50 ans, il y avait 30 à 50 maraîchers encore à l'Escure. Aujourd'hui, donc, il y en avait plus que 4, maintenant 5 avec Marion et Auguste. Bien. Et l'objectif de Terre Citoyenne, ce serait de redévelopper le maraîchage à l'Escure, donc sur les terres qu'on a pu acheter grâce à l'épargne citoyenne, de progressivement réinstaller des maraîchers. D'accord. Et également refaire, recultiver l'oignon de l'Escure. Ah, ça, on va parler, parce que l'oignon de l'Escure, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On va aller voir tout ça. Donc, je crois que vous avez des champs, vous avez une boutique. On a la boutique Le Mange Tout ici. D'accord. Et on a les champs à 500 mètres. D'accord. Bon, on va aller voir au champ. On va directement au champ maintenant. C'est pas loin. Je me sens d'attaque. C'est parti. Donc là, Marion, nous sommes dans vos champs. Oui. D'accord. Au jardin. Au jardin. C'est splendide, hein. c'est joli comme tout. Au fait, pousser quoi alors, en gros? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, un peu de tout, des haricots verts, des tomates, des concombres. Alors, ça, ce sont des haricots verts. Je peux en cueillir un? Oui, oui, allez-y. C'est très marrant ce que j'ai dit. C'est des haricots verts violets. Violets. C'est une variété ancienne et c'est un haricot violet. Alors, c'est très pratique quand on les cueille. On le voit. On les voit. Mais, alors, vous avez des... On ça, les c'est aime quoi bien, ouais. Ça, ce sont des panais. Des panais, des tomates, des poivrons, concombres. Poivrons, piments. Aubergines, piments. Oui, basilic. Oui, je vois, effectivement. De la mélisse aussi. On fait... Des pommes de terre. Oui, nous, on ne fait pas de pommes de terre. On a un producteur avec qui fait les œufs, d'ailleurs. Oui. Qui fait aussi des pommes de terre. D'accord. Sur plus grande surface. Parce qu'on n'a pas d'outils de récolte pour la pomme de terre. Mais après, on fait tout ce qui est courgettes, courges, tout. Enfin, on fait à peu près une quarantaine de légumes. J'ai vu des citrouilles fabuleuses. on adore tester plein de variétés anciennes et puis voir celles qui se plaisent le mieux. Et puis au fil des saisons, adapter. L'idée, c'est de, voilà, au fur et à mesure, d'avoir vraiment des variétés qui sont adaptées à l'Escure. Oui. Et qui s'adapte au terroir. Ouais. Alors adapté au terroir parce que la terre elle est quoi? Elle est sablonneuse, elle est quoi? Ouais, sablonneux limoneux. Ouais. Sablonneux limoneux. On a la rivière pas très loin. Voilà, on a le Tarn à quoi 500 mètres. D'accord. On est à 26 mètres au-dessus du Tarn, donc. Oui. Très ensoleillé. Très ensoleillé. On est sur des terres plates. On a mis 2 ans à trouver une ferme, mais on est content d'avoir la terre plate. Et donc l'Escure dans ma tête à moi. Oui. L'Escure, c'est le pays de l'oignon. Oui, l'oignon de l'Escure, oui. Qui a disparu. Alors, qui a disparu presque. Il y a une dame qui fait encore un petit peu d'oignon de l'Escure pour elle. Mais c'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup. Et du coup, nous, on avait envie de faire revenir ça. Et donc, on a récupéré des graines à travers un collectif associatif qui conserve des graines paysannes. Mmh. Et donc on les a fait, on a fait pousser les oignons et là on a récolté les graines. C'est ce que vous avez là? Ouais. Là on est en train de les faire sécher. Donc normalement ça devrait on être... On va pas trop secouer parce que sinon ça va tout planter. Bah, vous avoir de l'oignon partout. Voilà, on est... Normalement on va pouvoir avoir... C'est tout petit. Oui. C'est noir. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est de l'oignon de l'Escure. Voilà. En deux mots, c'est quoi sa particularité? Alors, c'est un bon oignon de conservation. C'est un oignon assez sucré. D'accord. Nous, on a été surpris la première année quand on les a fait pousser. Ils sont assez imposants. Ils sont plutôt gros, ils sont plutôt gros, ouais. Ils sont violets, ils sont jaunes, Non, ils sont jaunes. Rouges. Ouais, jaunes. Et voilà, de bonne conservation. Et après... Plutôt sucré, donc... Un peu comme à l'ail rose qui est de l'autre, qui est légèrement sucré aussi. Ouais. Donc on doit aimer les choses sucrées dans le Tarn. Après, ça se voit. Nous, on aime bien le mettre aussi en salade. D'accord. Et donc ça, vous allez le planter?
Voilà. Et donc on pourra dire qu'il y aura à nouveau, vous produirez de l'oignon de l'Escure à partir du printemps 2022. 23. Voilà, donc on va en semer début d'année et puis ensuite on va en garder une partie pour les graines. Le semencement, oui. Ouais. Et ensuite une partie qui sera à la vente. Ça se récolte quand? À l'automne, c'est ça? Oui. À l'automne. Voilà. Donc à l'automne prochain, on pourra venir chercher de l'oignon de l'Escure. Voilà, ce sera de retour. J'adore. C'est excellent. Et voilà, après l'idée, c'est de pouvoir faire perdurer ça. Et on est... voilà. Vous avez une boutique, je crois? Oui. On peut aller les voir? Oui, bien sûr. Bon, ben alors on y va. C'est parti. C'est parti. Merci infiniment pour votre accueil. J'ai adoré. En fait, je dois être fermé dans l'âme, je pense. Mais, de façon, Marie-Antoine était. J'ai travaillé un peu dur, c'est pas. Mais j'adore ça, en fait. Et puis, je trouve que c'est bien et donne de l'espoir d'avoir des jeunes qui s'installent comme ça et qui vont revenir nous renourrir correctement. Alors, j'ai oublié de vous demander, vous êtes tous en bio ou pas? Ou c'est une critère ou pas du tout? Ça sera à l'Escure, en tout cas, le maraîchage qu'on veut redévelopper, ça sera en bio. D'accord, ça c'est et super. Nous, oui, effectivement, on est en agriculture biologique, oui. Génial. Bon, mais c'est tout ce qu'il faut, en fait, c'est parfait. Local, locavore, bio, enfin, c'est fabuleux. Et on aide des gens, en plus, ça c'est fait. C'est tout ce que j'aime. La boutique, c'est le Mange-Tout. Oui. C'est ça? Le Mange-Tout. C'est l'homme d'un haricot, ça, non? C'est ça. Ah, bon. C'est le gourmand qui parle. Le Mange-Tout, c'est pour moi, c'est évoqué comme un haricot. C'est ça. D'accord. Et on est ouvert tous les vendredis de 16h à 19h. Ah, je reviendrai. I'll be back, comme a dit l'autre en occitan. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Bonne continuation et bon courage et bonne chance pour tous vos projets et qu'ils se réalisent très très vite. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. J'étais ravi de partager ce moment avec vous, de cette découverte de l'Escure d'Albigeois. J'espère que cela vous a plu. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci beaucoup et n'hésitez pas à partager ce reportage. En tout cas, je compte sur vous. À très bientôt et pour de nouvelles aventures. Et je vous dis donc à très vite.